devant l'école. Et là, il fallait rien tout faire. Oui. Bon, c'est un même truc, attention. Et les jeunes qui redépassent à la fin. Et qui vient terminer cette première course en première position. Et ici, on a le podium qui va être complété avec ce sprint final exceptionnel. Allez, on encourage tous les enfants là qui sont en train de courir. On les encourage bien fort, on les soutient. Ils vont finir cette course. Et là, encore une fois, on a des beaux sprints finaux avec de belles batailles. Belles batailles qui permettent de remonter jusqu'à 5-6 places, hein, carrément. N'est-ce pas, Ludo? Là, regarde, c'est tranquille. Mais là, on s'aperçoit, effectivement, On donne tout sur cette ligne d'arrivée. On va comme traditionnellement, évidemment, récompenser symboliquement, puisqu'il n'y a pas de classement, les trois premiers de cette épreuve qu'on retrouvera au podium avec toi, Achille, dans quelques instants. Et puis, regardez, ça continue d'arriver un beau peloton, hein, Patrice? Ouais, c'est un beau peloton. On retrouve de la densité dans cette ligne droite d'arrivée. Regardez, ce sont des dizaines et des centaines d'enfants qui arrivent ensemble. Belle ligne droite d'arrivée. On peut gagner des places, Achille, tu le disais. On peut gagner quelques places précieuses pour représenter son école. Brossolette, Notre-Dame de Wailly, Camus, toutes ces écoles tourquenoises présentes. Et des garçons qui finissent bien, ils en ont gardé sous le pied. Ça descend un peu, on a un petit coup de booster sur la fin. Et bah, ce sont des belles images, on aime bien. Et c'est une tradition, commencer les boucles tourquenoises par ces courses réservées aux enfants. Voilà, effectivement, c'est beaucoup de pénos qui s'ouvrent avec ces courses scolaires. Et puisqu'on faisait une allusion au début des épreuves de ces boucles, il y a... Oh là là. Le chemin le plus court reste quand même la ligne droite. Ça je pense qu'on ne l'aura peut-être pas appris réellement avec les enseignants. Lui, il a voulu faire un slalom, il s'est fait plaisir. Voilà, en tous les cas, ça s'appelait à l'école, à l'époque, c'était les courses des fans. Quand on démarrait les boucles d'Orkénoz, ça s'appelait les fans quelque chose. On va aller plus loin, Ludo, Dans notre mémoire, les fans, c'était le nom des épreuves. Et avant cela, on avait la course des Marie-Louise. Des Marie-Louise, oui, exactement. C'était encore avant. Mais tu étais peut-être à peine. Ah, moi, j'étais pas né. Ou après. Bon, en tous les cas, on est en 2023. C'est la 49e édition. Et l'école Paul Bert, là, qui, termine. Oh, regardez. Lui, là, tout. Gardé pour la fin, et là il fait un sprint magnifique. Voilà, des garçons qui terminent. On va monter un peu le son, on va mettre un peu de musique, amis spectateurs, et on va encourager ces jeunes coureurs qui ont terminé. Je crois qu'ils méritent vos encouragements. Allez, faites du bruit, applaudissements pour les garçons en 2012-2013. Allez, on encourage les derniers concurrents. Allez, voilà, ça va, Victor Hugo. Ah, là, je vois mal de ça. Donc, voilà, regardez, superbe. Ça va jusqu'au bout. On l'a dit, c'est le challenge du long. Ah oui, ils étaient vraiment nombreux sur cette course. Je sais pas combien ils étaient, mais... Alors ici, on a l'école Claudel. Voilà, l'école Claudel, ici, un sprint encore Paul Bert. On va voir René Lecoq. Ben comme ça, j'aurais presque fait toutes les écoles, je l'espère en tout cas, si j'en oublie. Alors, on n'y est pas encore, Ludo, hein, parce qu'on n'a pas le nombre d'écoles. Ce serait bien d'avoir le nombre d'écoles de la ville de Tourcoing, mais il y en a quelques dizaines, on n'a peut-être pas encore fait le tour. Les trois premiers pour monter sur le podium avec Achille qui va pouvoir nous faire ses petites interviews et surtout présenter
Alors c'est un classement officieux, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de classement dans ces écoles, puisque c'est évidemment... Ah, c'est déjà parti pour la deuxième course. Les filles nées en 2012 et 2013, comme les garçons tout à l'heure, elles sont parties à l'instant même. Voilà, deuxième course qui vient de s'élancer. On les accueillera, ces demoiselles, dans quelques instants. Sur le podium, on a les garçons forts de cette première course de la matinée. Achille va pouvoir les mettre à l'honneur, les interviewer et avoir leurs impressions à chaud. Ce sont les garçons nés en 2012-2013. Ça arrive déjà, c'est allé vite dans cette course féminine avec les premières filles qui franchissent la ligne. Vous voyez, elles ont gardé les manches longues, la veste de survêtement. Arrivée détachée, on n'a pas eu le même final que chez les garçons. Ça s'est joué à quelques mètres à peine dans un sprint échevelé dans les derniers mètres. Ici, pour les filles, c'est un peu plus étiré pour l'instant. Et on continue de les accueillir évidemment dans cette ligne droite. Allez, effectivement, les premières arrivées de la deuxième course, la course des filles née entre 2012 et 2013. Et nous avons déjà d'ailleurs les premières qui sont arrivées. Et comme pour les garçons, on va voir arriver normalement un gros peloton où ça va beaucoup jouer des coups pour passer et pour avancer. Et on peut effectivement applaudir bien fort toutes les participantes à cette course. On les encourage bien fort. Elles méritent ce soutien. Elles se sont levées tôt ce matin, vous aussi, on le sait, mais elles courent, donc voilà. Aux côtés de Corinne Dordi, donc organisatrice de ces boucles tourcainoises. Corinne s'est bien lancée, une belle 49e édition, il y a quelques instants. Les conditions sont presque optimales, même si on fait un peu tôt ce matin. Et des parents, des enfants qui répondent présents comme chaque année et qui sont levés tôt ce matin. Oui, j'avais un peu peur que le coup scolaire n'ait pas lieu, mais j'avais pu rassurer sur la page Facebook. Donc, le coup scolaire en Lyon, on voit ses enfants qui courent. Alors, pour moi, les boucles, c'est les cours scolaires avant tout, parce qu'on se souvient tous, quand on était scolarisé à Tourcoing, d'avoir pu participer à ces courses scolaires. C'est de très bons souvenirs. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir d'accueillir les enfants ce matin. Donc, je suis contente que ça n'a pas été annulé. Je crois que tout ce monde-là, tous les parents qui encouragent leurs enfants, c'est super. Voilà. C'est super, Achille, et on a déjà les premières familles, mais elles sont allées super vite, ces filles, c'est incroyable, incroyable. Effectivement, elles ont été vite dans la course et elles ont été vite sur le podium également, donc on les retrouve. Là, je suis au côté de la troisième, Gina, c'est bien ça? Gina, on peut l'applaudir bien fort, la troisième de cette course, on peut l'applaudir, on l'encourage. Enfin, on la félicite, pardon, on la félicite pour cette troisième position. Alors, bravo pour ta troisième position, alors... Comment s'est passée cette course? Comment t'as su gérer toute cette énergie? Il est là avec son beau maillot, ouais. Numéro 10. Impressionnant. Et derrière, évidemment, c'est marqué quoi, Patrice? Ouais, ouais. Un certain numéro 10 porté par un certain Mbappé qui porte le doigt vivant. Alors, je vois Joseph, surpris, mais très très bien. Regardez l'avance sur 1 km 200, plus de 100 mètres d'avance pour ce jeune coureur. Ludo, tu prends ses coordonnées. Ludo, oui. Ouais. Et Joseph, tu prends ses coordonnées tout de suite. Ouais, rappelez les parents tout de suite, parce que là, il y a quelque chose à faire. Il doit s'inscrire dans un club, lui. Et rapidement, et pas forcément un club Mbappé. Non, c'est... Bon. Il y a beaucoup mieux à faire. Il y a du potentiel, en tout cas. Allez, ça arrive, de la densité, du monde, une dernière ligne droite. Amis spectateurs, on veut vous entendre. Allez, vos encouragements pour les derniers mètres.
Voilà, attention lacets. Allez, les lacets mal serrés, ça se dessert. Voilà les deux surfeurs, allez, regardez, ils ont besoin de vos encouragements. Ils cherchent du coin de l'œil une motivation supplémentaire en voyant si on a le parent, la sœur, le beau-frère, voilà, la petite sœur, le grand frère, la grand-mère, le grand-père, enfin tout le monde, quoi, pour les encourager. Oh. Allez les verts dans cette course numéro 3, avant-dernière course des scolaires. Des garçons qui arrivent, qui terminent, un peu dans la souffrance, mais pas trop. Oh, ça va, non, ça va, c'est pas mal. En fait, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de la souffrance et il y a du tranquille. Il y a du tranquille. Je finis tranquille pour me faire plaisir. Ah, Evan, bah, c'est marqué dans son dos en plus. Ça, c'est pratique. Voilà, allez, il est content d'arriver. Ouh, ça... Ah, c'est assez rigolo, Matrice, regarde, ils sont tous en train de chercher du coin de l'œil, le papa, la maman, la famille en tout cas, ou les enseignants, bien sûr, aussi. Je vais pas me faire reprendre deux fois par Dame Evelyne. Ah, puis j'ai même pas fait un bisou ce matin encore, d'ailleurs. Voilà, regardez. Tous ces jeunes motivés comme jamais qui ont certainement réveillé les parents ce matin en disant on va y aller, on va être en retard, il faut y aller. Ma course c'est à 9h16, il faut que je sois présent. Et on a déjà les trois premiers sur le podium, Patrice. Allez, les trois premiers, et j'attends Achille avec impatience l'interview du premier quand même, qui a été particulièrement impressionnant. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le... Voilà, Achille, tu peux lancer le podium. Oui, effectivement, donc le podium des garçons qui s'est dessiné là, des garçons nés en 2014. Et on a tout de suite le troisième, Yanis, c'est bien ça? Yanis, on peut l'applaudir bien fort, Yanis, s'il vous plaît. On peut le féliciter pour sa belle course. Alors Yanis, tu nous viens de quelle école? Albert Camus, l'école Albert Camus. L'école Albert Camus qui est représentée aujourd'hui fièrement par Yanis en première position. Alors Yanis, comment t'as senti cette course, cette belle boucle ce matin? On poussait beaucoup, mais... J'ai pas... essayé tout seul. Ah voilà, effectivement, il n'en faut pas plus, hein, de la motivation, un petit peu d'endurance, et puis ça y est, on arrive en troisième position. Encore félicitations Yanis, on peut l'applaudir encore bien fort. Et là, on a le deuxième, alors pendant que la dernière course des scolaires part, on a le deuxième, Abdel, qu'on peut applaudir bien fort, Abdel. Abdel, tu nous viens de quelle école, Abdel? Comment, pardon? Allez, vos applaudissements pour l'arrivée de cette demoiselle qui représente l'école Rouget de Lille. C'est son école et elle l'emporte assez nettement. Allez, ça suit. Deuxième, pas très grande, mais beaucoup plus grande par le talent, c'est l'école Lavoisier. Troisième place avec quelques petites larmes. Pour terminer, pour ces jeunes filles donc qui finissent à leur rythme, tranquillement, qui cherchent du coin de l'œil les parents, les frères et sœurs, et qui attendent surtout vos encouragements, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de monde hein, sur cette ligne d'arrivée, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les profs, les oncles, les tantes. Il y a tout le monde qui est là pour encourager ces premières courses de la matinée. Et
Et on voit encore une fois ce gros peloton qui commence à arriver. Et on voit quand même qu'il y avait pas mal de participants ce matin, n'est-ce pas Ludo? Mais bien sûr, Achille, voilà tous les jeunes, regardez, ouais, elles sont heureuses d'en terminer. Voilà, et bien belle foulée, tranquillou. On termine tranquillou, on regarde les lacets, oui, ça c'est un grand drame chez les enfants, n'est-ce pas Achille? Voilà, donc on est nombreuses, 2014, c'est peut-être leur première épreuve. Pour certaines. Alors ce sont les plus jeunes, hein. C'est, ouais. Ce sont les plus jeunes, on avait 2012, 2013, 2014. Ce sont des enfants qui sont au cycle 3, c'est eux pour la plupart d'entre elles. Et elles découvrent les joies, le plaisir de faire du sport, de courir. Alors un peu souffrant, c'est vrai, c'est lié, mais en tout cas le plaisir de participer à une vraie compétition avec du monde, des spectateurs, des encouragements, la petite montée d'adrénaline, le petit piquant, et ça c'est chouette. Ce sont les premiers souvenirs des compétitions et ça reste dans nos mémoires, dans nos milieux sportifs. Et oui, et regarde les oreillettes, alors je sais pas si c'était vraiment des oreillettes, elle a couru avec... Avec un casque, je pense que c'était plutôt un réchauffe-oreille. Ah, ça fait du bruit, c'est bien. Tous les parents, allez, profitez-en. C'est la dernière course. Et les parents, n'oubliez pas, inscription pour la balade des familles, c'est tout de suite pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Voilà, donc on vous le rappelle, 11h20, Ludo, c'est bien ça, 11h20, oui. Balade des familles. 11h20. Tout le monde peut s'inscrire, j'allais dire tout le monde doit s'inscrire. C'est doit. C'est presque ça. À 2 km/400 en marchant, en courant, comme on veut, c'est simple. C'est pas compliqué, vous allez, la tente est juste la dernière, vous allez vous inscrire et on vous attend après le 5 et 10 km à 11h20. Le départ ce sera ici comme pour les enfants, près de la zone d'arrivée. Et vous vous élancerez pour allez, 2 bons kilomètres, un peu kilomètre 400 à parcourir. Oui, à peu près. Un petit tour en ville, on passe derrière l'hôtel de ville et on revient ici sur la zone d'arrivée. Voilà, l'arrêt national, l'hôtel de ville et puis... Zone d'arrivée. Ah, quelle belle allure sur l'arrivée. Voilà. Et on entend des noms au féminin. Là, c'est Camille Claudel. Voilà. Et regardez. Allez, il y a la dernière qui arrive. Voilà, ça va être la dernière à rentrer. On va l'applaudir comme il se doit. Il lui reste une centaine de mètres avant d'en terminer. Voilà, bravo. Allez, on l'applaudit. Ouh, super. Et c'est l'école Paul Bert. Voilà, Lydia. Voilà, allez, faites comme les parents la connaissent. Voilà, on les encourage. Allez, allez. Effectivement, on peut l'applaudir bien fort. Et elle va conclure sa course. Et nous allons conclure. Voilà, top, les bras levés, 15:35 pour le temps officieux. Ahmed Abouzidre qui va prendre une belle deuxième place en pleine préparation pour le marathon de Valence. Troisième position, Lille Métropole également. Athlétisme pour Aloïs Bastien qui montera sur le podium du 5 km. Trois coureurs qui terminent en moins de 16 minutes. Allez, on continue d'accueillir les coureurs dans ce top 10 pour la quatrième place. C'est Victor Daron, le coureur de Neu Athlétisme.
section locale de l'athlétisme, qui prend la quatrième place avec un bon chrono, hein, 16 minutes et 15 secondes pour le coureur au maillot bleu et jaune. Ludo, on te laisse récupérer la première féminine et nous on accueille les hommes. Ah ouais, alors Patrice, avec Agathe de la Haute qui est déjà quasiment au niveau de la mairie, donc elle est bien en tête et seule en tête. On a regardé effectivement avec Grégory sur la moto, les écarts sont conséquents chez les féminines. Agathe de la Haute qui va remporter très facilement ce 5 kilos. Voilà, on salue l'arrivée d'Anthony Pucalus, qui a chaussé les baskets après avoir revêtu la tenue d'organisateur la semaine dernière. Pour les foulées à l'Uénoise. Allez, on salue l'arrivée de David Lemény. Toujours pour le LMA, l'US Sourcoing. Un peu de densité, les maillots noirs et blancs. Bien placés, Baptiste Minard, Louis Dubuffet. On salue l'arrivée de Noé Richard également, de Brenton Dupont. Voilà pour les coureurs, Ludo, et on attend avec impatience l'arrivée d'Agathe. Rond Triathlon également, ils sont venus avec une quinzaine d'athlètes. Max Ange Noyen du Rond Triathlon. Voilà, on l'aperçoit, la première féminine, on vous parlait d'Agathe de la Houtre, voilà. Avec les couleurs. Agathe de la Houtre qui arrive, Patrice. Voilà, Agathe de la Houtre qui arrive avec les couleurs de son club jaune et bleu. Agathe de la Houtre qui a terminé troisième l'an dernier, finaliste au championnat de France sur 800 mètres. Record personnel, 2 minutes 3 secondes, 44 centièmes cette année. Mesdames et messieurs, applaudissements pour celle qui va remporter ce 5 km. Agathe de la Houtre. Un petit coup d'œil du côté du chrono. Allez, top, on y est. 18-20, 18-21 pour le temps officieux d'Agathe. C'est un bon chrono. J'ai pas en tête le temps qu'elle avait réalisé la semaine dernière sur le parcours d'Alua, qui est plus technique et un peu plus compliqué que le parcours tourquinois. Ça arrive toujours avec les coureurs de l'US Market. Achille, impressionnant cette arrivée Achille quand même, on est allé vite sur ce 5 km. Oui, effectivement, ce 5 km qui nous surprend d'année en année. Là on a vu une tête de course bien détachée du reste des participants. On a eu une belle tête de course, à mon avis il y a eu une belle bataille, comme a pu nous le dire Ludo sur la moto. Et on voit quand même Leclerc qui arrive pour la deuxième place. J'ai pas bien entendu, mais on peut applaudir la deuxième féminine qui va arriver. On peut l'applaudir bien fort. C'est Camille Leclerc. Et la troisième qui va arriver juste derrière vous, c'est Annaëlle Désert. Voilà, Camille Leclerc qui montera à nouveau sur le podium comme l'an dernier. Et la troisième place. Troisième place pour Annaëlle Désert, tu le disais Ludo, l'athlète masterin de l'US Biage Saint-Vaast. Ça arrive encore pour la quatrième place. Voilà, et la quatrième place qui sera prise par Michel Pruvot. Run and Freedom, tout un programme. Et ça arrive toujours côté féminin. Voilà, regardez. Un ancien maillot des Bougues turquinoises pour cette jeune athlète, 1292 pour le dossard. Il s'agit de Marco Pierron, elle est encore toute jeune, encore minime, hein. C'est la plus jeune catégorie représentée sur cette distance en un peu plus de 20 minutes. Voilà, l'arrivée qui est sous l'arche évidemment de la ville de Tourcoing. Deux athlètes qui ont coupé leur effort juste avant. Voilà, allez, on va monter un petit peu le son, on va monter un peu la musique si on peut sur le car podium.
Voilà, on va monter encore. Allez, on monte le son, amis spectateurs. Voilà, allez, l'arrivée des coureurs du 5 km. Amis spectateurs, on va applaudir. Allez, il fait un peu froid ce matin. On va se réchauffer ici, sur la ligne d'arrivée, pour cette 49e édition des boucles tourquenoises qui passent en plein après la course des scolaires, Ludo. C'est le 5 km, ça arrive et ça finit vite, très très vite. Ouais, ça finit super vite, le parcours, le cyprès évidemment. Avec une arrivée en descente juste plus favorable, en tout cas, descente c'est un peu exagéré, mais en tout cas, un peu plein descendant. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va encore monter un peu le son. On va se réchauffer en musique, vous le voulez bien? Allez, c'est à vous, levez les bras, c'est parti. Allez. Voilà, c'est bien ça. Ça réchauffe. Ce que je vois aussi, c'est le soleil qui arrive. Ça y est, on met un peu de musique, l'arrivée du 5 km et le soleil qui commence à sortir sa tête. Et là, on voit même dans le ciel plus aucun nuage. On est vraiment sur les conditions idéales, presque trop idéales d'ailleurs. C'est tout ce qu'on souhaite pour cette édition des boucles tourquenoises, cette 49e édition de cette course mythique. Pendant qu'il y a encore les arrivées du 5 km, on peut applaudir bien fort tous les participants. On les encourage, il faut qu'ils aient jusqu'au bout et ce sera grâce à vous. C'est vraiment un beau ciel bleu, mais ça je pense que c'est la force des boucles tourquenoises. On est en octobre, il commençait à faire froid et tout ça, et là je pense que le ciel s'est rendu compte que ce matin c'était la 49e édition des boucles tourquenoises, et du coup la météo est avec nous ce matin. 49e, ça veut dire que l'année prochaine ce sera la 50e. Avec, regardez, ces beaux maillots collector des boucles, ça c'est dit il y a quelques années. Ah oui, on a tous les maillots, et ça Patrice c'est sympa, on a tous les anciens maillots des boucles tourquenoises, le rouge, le mauve, c'est quelle couleur? C'est jaune cette année, et bah, c'est bien, ça veut dire que les maillots sont des maillots qu'on aime porter, qui sont de qualité, ce ne sont pas des maillots qui finissent au placard, on regarde le bleu cette fois. Le bleu, le violet, le rouge, le jaune cette année, ce sont les boucles tourquenoises qui se déclinent à travers les couleurs des différentes éditions. Et bah, c'est plutôt sympa, beau partenariat à l'initiative de Corinne Jordi qui avait lancé de nouveaux maillots plus techniques il y a quelques années. Voilà,
si quelqu'un a trouvé une clé de voiture, c'est Brendan Dupont à l'arrivée. Ce serait sympa de la déposer sur le podium d'arrivée. Voilà, clé de voiture. C'est une voiture. Allez, encore des. Regardez un sprint. Ils sont de ça, 1070. Alors, est-ce qu'on a vu Madame Le Maire arriver? On l'a pas raté. Non. J'espère pas. C'est une faute. Ce serait une faute de notre part. Allez, on encourage tous ces coureurs du 5 km. Alors cette année, effectivement, le 5 km est dissocié du 10 km, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a de plus en plus de coureurs qui viennent sur cette distance qui est un peu plus abordable quand on démarre la course à pied. Voilà, donc il y a de plus en plus de monde. Ça fait, c'est la deuxième édition, je crois, de ce 5 km. Et ça fait du bien. On le disait avec Patrice tout à l'heure, c'est une distance officielle maintenant. Il y a un championnat de France de 5 km qui aura lieu d'ailleurs la semaine prochaine du côté de Saint-Omer. Enfin, pas du côté de Saint-Omer, à Saint-Omer tout simplement. Donc si vous êtes passionné, n'hésitez pas à aller voir les meilleurs Français de ce 5 km. Ce sera du côté de Saint-Omer. Voilà, il y a une musique qui va bien pour rythmer les arrivées. Avec vous, amis spectateurs, 5 km, oui, en effet, qui est devenu une distance officielle depuis l'an dernier, hein, puisque le championnat de France, le premier championnat de France, a eu lieu à Albi l'année dernière. Il aura lieu à Saint-Omer le 22, c'est-à-dire dimanche prochain, avec un engouement pour cette distance aussi, qui accueille un large panel de coureurs, depuis les pistards, on parlait d'Agathe Delahoud, qui est spécialiste du 800 mètres, jusqu'aux coureurs de longue distance qui travaillent leur poids, leur vitesse sur cette distance, donc c'est intéressant de découvrir ce nouveau format de compétition. Effectivement, Patrice, voilà. Et on reconnaît des têtes connues du basket novinois. Ah, il y a Ron Triathlon, il y a le basket de la PPN de Neuville qui sont là. Ils sont déplacés pour ce 5 km à côté, évidemment. Ouais, on lève la main, on est content d'avoir fait ce 5 km. Avec, on l'a peut-être pas encore précisé, mais les papillons blancs qui sont présents en nombre. On en a parlé tout à l'heure, quand on est sur la moto, mais on peut en parler, Ludo, tu fais bien d'en parler. C'est ça. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très nombreux. Tu vas les voir là, ils sont juste là, près de la zone d'arrivée. Ouais. Ils sont présents sur toutes les épreuves de la matinée. Ils sont 162 participants, Ludo. Ah oui, oui, ça c'est belle motivation, belle mobilisation, de chercher le mot, pour cette association des papillons blancs de Tourcoing. Alors, je précise quand même, 162 participants sur la balade des familles et 75 sur le 5 et 10 km. C'est vrai qu'on est à 250 pratiquement participants. C'est énorme. C'est fantastique même d'ailleurs. Allez, 75 et 162 sur la balade des familles. Ouais. Et on a vu, j'ai vu aussi sur la moto tout à l'heure, il y avait des Joëlettes qui sont parties sur le 5 km. Alors on avait 4 Joëlettes. Donc on les accueillera aussi comme il se doit. Et oui, tu le précisais Ludo, cette année le 5 km qui est dissocié du 10 km, et moi c'est
c'est assez marrant parce que tous les ans, du coup, on avait, au moment de faire les deux tours, on avait des participants de 5 km qui partaient du mauvais côté, etc. Ça donnait lieu à des moments assez drôles, mais un peu moins pour les organisateurs, donc je pense que la tâche leur est facilitée cette année. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de remercier toute l'organisation de ces boucles tourquenoises, notamment les bénévoles, les bénévoles et tous les gens, tout le personnel de l'US Tour. Et Achille, on ne va pas oublier non plus tous les services techniques de la ville qui se sont mobilisés très très tôt ce matin. Eh ben oui, toi aussi, mais toi tu fais partie des bénévoles, hein, c'est pour ça que je le disais. Voilà, qui se sont mobilisés très très tôt pour mettre en place ce parcours, pour que ce soit sécurisé évidemment. Voilà tous les concurrents qui terminent, et main dans la main, et la première Joëlette. Voilà, elle est là, avec les papillons blancs, regardez. Une et deux, et ils sont déjà là, toutes les deux. Allez, superbe. Voilà, j'ai peut-être pas encore les prénoms, mais on va demander les prénoms au passage. C'est Charlotte. Bravo. Et Madame Le Maire qui arrive. Dorian Bécu, bravo. Avec son superbe Dorian et Alice. Voilà. Qui vont terminer en un petit peu plus de 32 minutes et 28 secondes. Ouais, c'est bien, on va les accueillir, on va les saluer, hein, les Joëlettes à chaque arrivée. Ça arrive encore, on est à 32 minutes de course et on a encore des coureurs nombreux sur le parcours. On a, ça tombe bien, que des maillots jaunes là, sur la ligne d'arrivée. Et le maillot jaune, bah, dans le cyclisme en tout cas, c'est le maillot du vainqueur, hein, Tour de France. Donc, bah, que des vainqueurs sur la ligne d'arrivée, c'est chouette, c'est une belle image. Le jaune comme le soleil et le bleu comme la couleur du ciel et du Carpodium du Nord. Voilà, Patrice, je suis avec Madame Le Maire, elle vient juste de franchir la ligne d'arrivée, elle est tout sourire, ça s'est super bien passé, on dirait déjà pour vous. Oui, super course, bonne ambiance, des super participants, merci aux organisateurs. Voilà, et merci à la ville, on l'a dit, hein, bien sûr, pour avoir évidemment mis en place tout ce parcours. C'est votre première course sur 5 km, je crois. Oui, c'est ma première course. On avait eu ce défi avec Corinne, et il y a un deuxième défi, c'est le Malgré, on va descendre. Voilà, c'est ça, on va en parler évidemment. Ce sera le 15 décembre avec effectivement l'Urban Trail de Tourcoing. Voilà, troisième Joëlette qui arrive avec. Comment elle s'appelle? Avec les papillons blancs qui l'emmène. Voilà. C'est Gabriel a priori. Allez, regardez tous ces maillots des papillons blancs, on les reconnaît, ces beaux maillots jaunes. Enfin, vert fluo plutôt même d'ailleurs. Ouais, en tout cas, ils sont venus, ils sont tous là, les papillons blancs. En nombre, les Joëlettes qui sont emmenées et qui sont présentes sur toutes les épreuves qu'on voit, qu'on commente. C'est toujours un plaisir de les accueillir. Alors on ne les a plus en tête de peloton pour ne pas gêner les coureurs valides, mais on les retrouve en queue de peloton. Ce sont eux qui furent la marche. Regardez, elle est belle cette ligne droite d'arrivée et on va encourager, voilà ceux qui arrivent, des coureurs anonymes qui lèvent les bras avec le signe de la victoire et regardez, les papillons blancs avec la quatrième Joëlette. Maxime Cavaille, il n'est pas vraiment anonyme mais il lève les bras et il est très heureux d'en terminer également. Voilà, et ça arrive, regardez, cette belle escorte Ludo pour cette... jeune fille, je crois, dans la Joëlette, oui. Belle image. Et que des filles pour tirer cette Joëlette. Alors les élus de la ville hein, qui se sont engagés avec les t-shirts et le nom marqué dedans, dans le dos. Donc voilà, ils ont bien fait les choses pour au cas où on ne les reconnaisse pas. Ils ont mis effectivement leur prénom derrière le t-shirt.
Voilà, ça arrive toujours. Le bleu, c'était Elle et Célestine qui arrive avec les oreillettes sur, dans les oreilles. Joëlette, ouais, on avait 4, on avait 5, Ludo, ça arrive encore. Ah, oh, mais il y en a encore une. Il y en a encore une, effectivement. Voilà, et toujours encadré par les papillons blancs et les papillons blancs. Voilà, il demande, il demande du bruit, alors on en fait du bruit pour cette dernière Joëlette. Allez, on va monter le son encore une fois pour l'arrivée de cette nouvelle Joëlette. Allez, vos encouragements. Ouais, on fait signe, allez, il recherche du soutien pour terminer. Alors, c'est le laboratoire Biocentre qui est venu aussi en nombre. Vous êtes 40, je les accompagne. Ludo, j'essaye encore. Je suis dit les mettre avec vous. Vous êtes venus à 40, on les reconnaît bien, ils ont les maillots verts. Ouais, superbe. Laboratoire Biocentre, les maillots verts, les maillots jaunes, enfin vert fluo pour les papillons blancs. Voilà. Allez, il reste encore une centaine de mètres. Ah. Voilà, il va falloir l'accompagner peut-être jusqu'au bout. Il me semble qu'au loin, on a encore nos amis du laboratoire Biocentre qui continuent d'arriver. Voilà, on va demander aux secouristes d'aller juste sur la zone de départ, sur la ligne de départ. Merci. Est-ce qu'on peut envoyer les secouristes sur la ligne de départ? Voilà, à côté de la, au niveau de la tente de chronométrie. Amis secouristes de la protection civile, on vous attend sur la ligne de départ rapidement. Merci. Voilà, on va continuer d'accueillir les derniers parce qu'ils ne sont plus très nombreux sur ce parcours de 5 km. On va leur laisser le temps de franchir la ligne, d'arriver. On va les encourager évidemment avant de basculer d'ici quelques minutes sur l'épreuve phare de cette matinée, le 10 km, qui s'élancera à 10h40 dans un peu plus de 15 minutes. Avec les élus et les partenaires de cette 49e édition. Sous le soleil, ben c'est devenu une habitude, hein. on a des souvenirs d'éditions pluvieuses, mais ça remonte maintenant à quelques années. Fraîcheur et soleil, c'est la recette pour faire de cette 49e édition un bel événement. Thank you.
Voilà, alors pour être tout à fait complet, donc les récompenses à partir de 11h45 ici sur le podium du département. Avant le départ du 10 km, on aura bien sûr alors la balle des familles qui partira à 11h20. Les inscriptions, c'est sous les chapiteaux qui sont à côté du car podium. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. On l'a dit, c'est une balade au profit de Cœur et Santé. L'argent sera versé à Cœur et Santé. Et ensuite, vous pouvez marcher, vous pouvez aller en trottinette, en roller. Alors qu'on en termine encore avec son dossard 1269. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, très nombreux à cette balade des familles, alors que le soleil arrose généreusement cette ligne de départ. Et c'est pas pour vous déplaire. Oui, on peut rapidement aussi faire un tour un peu de nos sponsors qui nous accompagnent tout au long de cette belle matinée de cette 49e édition des boucles tourquenoises. Donc notamment, on remercie le centre nautique Tourcoing-les-Bains. Tourcoing-les-Bains qui est un long partenaire de longue date et qui nous permet notamment d'avoir la salle pour le retrait des dossards. Également le Crédit Mutuel de Tourcoing, qu'on connaît bien et que l'on va afficher partout ici. Le laboratoire Biocentre, tu en parlais tout à l'heure Patrice, avec le docteur Ahmad et son équipe qui ont une quarantaine de participants sur cette course. Également Marco Pharma Tourcoing avec Isabelle Bartier qui les représente. Nous remercions aussi SAD qui est un nouveau partenaire de cette année, une compagnie de travaux hydrauliques. Pendant qu'on a encore des arrivées du 5 km, on remercie aussi Auchan, mon partenaire de longue date et le plus ancien même, les transports routiers Collins, également Vachement Immobilier notamment. Et Patrice, il me semble que tu as c'est tout simplement l'arrivée de la dernière concurrente du 5 km. Allez, à ton applaudissement, on va l'accompagner. 1270, c'est son dossard. Faites du bruit, dernière concurrente du 5 km. Allez, Delphine Laurent qui en termine. Delphine qui boucle ce 5 km. Attention pour le chrono. 43-33. Elle a levé les bras. Ça annonce une belle bataille pour notamment surtout pour cette première place d'ailleurs. On retrouvera
tout à l'heure lors de l'arrivée, certainement, mais ne parlons pas trop vite, hein, certainement, Jamel Bachiri et Hicham Riki, qui se débattent beaucoup, même si Hicham a une certaine avance, n'est-ce pas Ludo? Ah, oui, Hicham Riki qui continue d'accroître son avance, on est revenu Notre-Dame de Rouilly. Ah oui, oui, pardon, mais on est passé devant l'école Notre-Dame de Rouilly pour être tout à fait complet. Et on revient dans la relationnelle à l'instant avec Hicham Riki qui s'envole maintenant, qui s'envole vraiment vers certainement une belle victoire. Alors évidemment, les dernières, on avait un sprint avec Sander Verkotoren. Aujourd'hui, Sander n'est pas là pour se préparer pour les championnats d'Europe de cross. Bon, allez, au passage ici, donc à l'année de Farid Okaïd, les Tourquenois qui passent devant nous, David Verbrugge qui vient de passer à l'instant, Zakaria Katrali, et derrière aux places d'honneur, Cyril Carrez avec Blues, également Ahmed Amoussid. Daniel Lanzra qui passe devant nous, quelques maillots collector qui ont été sortis de Minas Tourcoing à l'époque où la couleur était le maillot blanc rayé de noir, ça remonte à quelques temps, et des écarts assez importants, passage de Guillaume Pichot devant nous en 17-23 à la mi-course, passage de Romain de Gézène également. Et un peloton qui est déjà vraiment bien étiré, hein, très étiré au passage devant nous. Ludo, un petit point sur la tête de course et on revient sur la ligne d'arrivée au passage avec les courses pour les premières fluides. Oui, avec le passage au 6e kilomètre dans quelques instants pour Hicham Riki qui regarde son chrono. On va passer en 17,54 pour ce 16e kilomètre. Voilà, pour les hommes, et là, le passage à la mi-course de la première féminine, mesdames et messieurs, applaudissements pour Julie Sylvain. Voilà, Julie Sylvain, licenciée au club d'Arras, maintenant qui est allée chercher un podium par équipe individuelle en France de semi. Passage au 5e kilomètre, 18-18 pour la tête arageoise. Derrière, à une vingtaine de secondes, celle qui avait terminé première et deuxième l'an dernier, les deux tourquenoises, Myriam Noël. Voilà avec le dossard 702, Audrey Brunswick, bien calmée dans sa foulée. Elles ont la chance de courir avec les hommes qui vont pouvoir leur assurer un bon tempo. Donc en deuxième et troisième position pour les tourquenoises. De la densité, un peu de musique, peut-être un peu de son pendant quelques secondes, hein, pas plus, pour accompagner ces coureurs. Allez, amis spectateurs, passage devant nous à la mi-course de ces coureurs qui ont besoin de vos encouragements. On monte le son, 30 secondes ici sur le passage à la mi-course pour encourager les coureurs. Allez. Le club de Gaton serait également présent sur le départ avec une quinzaine de représentants. On va arriver au 7e kilomètre dans quelques instants, Patrice. On est sorti du parc Clémenceau. On est à côté de Hicham Riki qui tire toujours parfaitement bien sur les bras. Alors, Ludo, on va de l'autre. Oui. Le but des parenthèses pour saluer le passage de Fred Fauquenois quand même, qui passe devant nous. C'est pas mal quand on a Fred. 20-28 à la mi-course. Mais ils sont des bases, un peu plus de 41 minutes, avec aussi un maillot collecteur de l'USO. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de problème, évidemment, avec l'ami Fred. On retrouvera tout à l'heure sur la zone d'arrivée, mais ouais, c'est un beau passage aux 5 km.
Voilà, on arrive au 7e pour Hicham dans quelques instants. Et on va être toujours à peu près sur le même tempo maintenant, 20-54. Donc il tourne 3 minutes régulièrement, alors que Julie Sylvain de l'autre côté, Julie Sylvain qui est seule maintenant, néo-arrasoise, parce qu'elle rejoint le club d'Arras cette année. Et Fred Ronsic et Léa Noël, toujours à 50 de mètres derrière Julie Sylvain. Allez, on continue d'encourager bien fort ce passage aux 5 km pour les coureurs et les coureuses qui ont fait l'effort de se lever ce matin. Et quel effort d'ailleurs, ils sont encore en train d'en faire un pour suivre cette course et faire ce 10 km. Pour certains, le terminer bien sûr, on l'espère même pour tous. Semble déjà être bien positionné en tête de cette course, en tête de ce 10 km. C'est quand même assez impressionnant. Deux années d'affilée, le back-to-back, Patrice, peut-être. Oui, Achille, exactement. Et ça n'est pas une surprise hein, de retrouver l'Anzinois aux avant-postes. Il est un ton au-dessus en ce moment. Il peut aller vite tant sur le 10 km que sur le sous-marathon. Il termine cette saison sur la route en se faisant plaisir. On l'a vu au passage à la mi-course, il avait l'air de maîtriser parfaitement son sujet. Il semble être en dedans, il est capable de courir avec facilité en 30 minutes ou un peu moins 30 minutes. Et aujourd'hui, bah, il a envie d'aller chercher une belle victoire, une victoire de prestige et de se faire plaisir avant tout. Ça se lisait sur son visage au passage à la course. 23-49 au 8e kilomètre. On est toujours sous les bases de 30 minutes, hein, donc c'est pas mal pour Hicham qui semble gérer son effort. Oui, maintenant, effectivement, il est très encouragé en plus par tous les coureurs qui sont de l'autre côté du parcours. On va être obligé, effectivement, vu le peloton important de ce 10 km, et bien de l'accompagner aussi avec la moto pour lui ouvrir le passage sur la dernière partie de course. Voilà, il fait des petits signes, Hicham, quand on l'encourage, quand il est en prend son prénom, il fait un petit signe de la main. Très à l'aise ce matin. Le chrono sera moins sous les 30 minutes quand même, bien sûr. Lui qui a en cours de sport terminé 3e sur un énorme retour la semaine dernière à Lyon. Ah, il nous a montré qu'il avait des grosses réserves mentales, en tout cas la semaine dernière. Ah, c'est important, hein. Hicham Fekir, il n'abandonne jamais. Voilà, on a rejoint la fin de course, Patrice, donc Hicham Fekir est en train de passer effectivement la fin de course. Voilà, Hicham Fekir qui va commencer à buter sur les derniers concurrents du peloton. Deux boucles de 5 km, mais ça n'est pas suffisant pour prendre assez d'avance face à des champions comme Hicham Fekir. Il faut savoir que Hicham va courir en moins de 30 minutes aujourd'hui et que pour les derniers aujourd'hui, ça sera 1h15, 1h20 d'effort sur la même distance.
Donc forcément, c'est aussi le charme de ces courses sur route, c'est d'avoir des coureurs de niveaux très différents, d'avoir des anonymes qui côtoient des coureurs, des champions d'un bon niveau. Et c'est un peu la règle du jeu. Ludo, il va falloir se faufiler entre les doublés. Mais comme Michel est maintenant détaché, ça ne devrait pas poser de problème cette année. Ouais, alors effectivement, il n'y aura pas de gêne en tout cas pour Richard. Il y a des motards évidemment qui font le nécessaire pour écarter un tout petit peu les coureurs qui courent pour certains évidemment en groupe, puisqu'on retrouve aussi notre encore 80 ans, ce sera l'année prochaine, Régine Desrebois qui va en terminer de ce 10 km, comme tous les ans. Allez, voilà, on arrive au 9e kilomètre, 9e kilomètre, Patrice, déjà, sur la rivière. Eh, ça va vite, ça va vite. 26,50. Eh oui, chacune se dit pas, hein, 3 kilos, il est réglé sur 20 km. Ludo, ce qui permet 30 secondes ici, sur une arrivée avec du monde, hein, beaucoup de coureurs qui passent à la course. Je trouve, les spectateurs, que vous êtes vraiment silencieux. On va remonter le son pendant 30 secondes. Allez, on va encourager ces coureurs à la mi-course. Faites du bruit ! Ils sont en passage du 5 km. Il leur reste encore un tour. Allez ! Allez ! Allez, encore. Les maillots aux branches. Des boucles torquéboises. Voilà, on leur souhaite le courage pour la deuxième boucle et on regarde avec toi pour vivre ensemble le dernier kilomètre. Oui, Patrice, on est dans le dernier kilomètre avec Michel qui se poursuit évidemment parmi tous les concurrents qui est en train de remonter. L'écart est conséquent parce que bien même Achille était à 150 mètres, 200 mètres, et les 3e, 4e et 5e étaient à peine rentrés sur le boulevard d'égalité que Michel était en train de sortir du boulevard d'égalité. Pour dire les écarts. Et on va attendre le passage aussi de l'autre côté des féminines, normalement avec Julie Sévin, qui est toujours très nettement tête, alors que Michel est en train de revenir. Au niveau du conservatoire de Tourcoing. Voilà, Hicham Riki qu'on va accueillir dans quelques instants. Et ici, des anonymes qui passent devant nous, Bernard Cato, qui incitait le public aux encouragements. Et puis cette intensité. Alors d'un côté de la chaussée, les coureurs sont encore à tour à parcourir. Ça va? Ça se passe bien? Tout va bien? Le bus le met généralement, c'est bon signe. Bon courage pour la deuxième roue. Et nous, on va accueillir côté droit de la route celui qui va remporter à nouveau les boucles tourquenoises, vainqueur l'an dernier. C'est sa troisième victoire ici dans les boucles tourquenoises. L'Ancien-Noël Chambriki, que vous allez apercevoir et découvrir dans quelques instants. Je compte sur vous pour nous faire une ovation. Il marque aussi l'histoire de ces boucles tourquenoises. C'est une course qu'il aime, c'est une course qu'il affectionne. Et aujourd'hui, il s'est littéralement trompé. Voilà, il se met dans la dernière droite et Jamel Bachir qui va régler. Nous, on se laisse décrocher pour repartir chercher la première féminine. Voilà, Ludo sur la boîte mini et Hicham Riki qui veut vous entendre. Faites du bruit pour le vainqueur de ces boucles turquinoises. Quelle course, quelle victoire, Hicham, aujourd'hui dans les boucles turquinoises. Allez, jusqu'au bout. 29 minutes 55 pour Richard. Et dans quelques instants, il a levé le pied, il a assuré la deuxième place, il a gagné 9 fois, troisième encore l'an dernier, il montera sur la deuxième marche du podium. Aujourd'hui, il est chez lui, devant son public. C'est bien, ça va, c'est pas mal, il est en forme.
troisième place pour l'athlète belge qui essaie de s'accrocher longtemps aux hommes de tête, mais ça allait trop vite. Jonas Vestel. Ouais, moins 31, 30-55 pour le derrière. Tu vas arriver, Patrice, avec la petite, avec deux autres concurrents, mais revenu dessus. Voilà, des écarts conséquents, on va patienter un peu avant d'accueillir le quatrième. On va les découvrir, les coureurs les uns après les autres. On a encore des coureurs anonymes qui arrivent à la ligne. Voilà, c'est côté droit. Et puis il y a les meilleurs qui ont terminé. Après un peu plus de 30 minutes d'effort, on a 31-30 pour l'instant. Ludo, tu vas retrouver Julie Silva pour être à ses côtés pour le 20 km. Bon, une petite parenthèse, on a un petit trou sur les arrivées. On rebascule à demi-course. 842, voilà, passage devant nous. Voilà, demi-tour pour Julie Simon, pour le vouloir de l'égalité, l'écart avec Audrey Brunswick qui est en deuxième position. Est assez important également puisqu'elle n'est pas encore au virage. On voit Audrey qui est de l'autre côté, accompagné par les athlètes autrichiens. Et Myriam Noël qui était une dizaine de mètres derrière Audrey Brunswick. Ouais, donc ça bouge pour les autrichiens qui se tire une belle bourre, comme on dit dans le jargon de Pentagram. Elles avaient fini 1 et 2 l'an dernier, dans cet ordre-là, Myriam Noël et Audrey Brunswick. Là, Audrey Brunswick a repris le dessus sur sa camarade de club. Allez, ça arrive. Quatrième place pour Alain Tamuzin à la bagarre, au sprint, avec Cyrilka. Cyrilka, un peu plus de fraîcheur pour Alain Tamuzin. Et juste pour Cyrilka, qui va prendre la sixième place. Belle bagarre entre ces trois coureurs qui ne se sont pas quittés de la course. On notera quand même qu'Amel Amouzine avec le maillot jaune a doublé 5 km et 10 km. Il avait déjà fait cela la semaine dernière à Lyon. Il est en pleine préparation pour la marathon Valence qui aura lieu ici bientôt avant la fin de l'année. 33 minutes 10 pour Julie Sylvain au 4ème kilomètre, Patrice. Voilà, un bon retour un spécialiste du 800 qui veut s'amuser sur le 10 km. David Lerouche, voilà, qui termine pour tous de David, qui va terminer juste devant Salim. Salim, qui va prendre la 8ème place. Ce sera l'année prochaine. Farid Kaline qui a parlé également avec un top 10, 12 pour Farid. Louis Abelmadi, voilà, qui a pas rendez-vous avec ce beau maillot collector que nous laisse sur sur la poitrine. Allez, Louis Abelmadi, qui va faire un peu trop long, et faire un tour à l'autre salut pour lui. On a la première jeunette à la mi-course. Avec nos amis les papillons blancs qui va passer cette étape de salle des 5 km. Les deux chevalettes qui sont côte à côte et avec tous ces visages, tous ces sourires qui sont là pour encourager, pour aider les chevalettes. Un tonnerre d'applaudissements pour les chevalettes, les papillons blancs, ils sont plus de 200 à participer aujourd'hui. Allez, faites du bruit, vos applaudissements, encore un tour pour les chevalettes. Ça arrive toujours pour Guillaume Normand, ça arrive toujours pour Elliot Baker, ça arrive toujours pour un top 20, un top 25, pour Guillaume Pichot, allez, on va aller jusqu'au bout, pour Florian Gabon et pour, avec le 25, pour Jamal Saïd. Et Patrice, Julie Sylvain qui est dans les derniers hectomètres puisqu'elle
en train de tout tourner l'hôtel de Lille. Et dans quelques instants, elle va prendre la note dernière ligne droite. Elle est derrière Mathieu Duroux, qui a tout. Il ne peut pas mettre le mot. Voilà Julie, Julie qui devait te sortir de la mairie. Voilà Julie Sylvain, dernière ligne droite pour Julie Sylvain. Alors, on va tenir dans quelques instants. On aperçoit les femmes de la moto qui précèdent l'arrivée de celle qui va l'emporter, Corichan Bricky. Elle aura mené rondement sa course. Elle aura survolé la course. Corichan, elle est allée chercher une victoire dans cette catégorie d'âge au championnat de France de son marathon. Elle est là. La voici, allez, bienvenue pour celle qui remporte cette 42e édition des boucles tourquenoises. Jessica le Taras et Lucas, faites du bruit pour Julie Sylvain. Julie Sylvain qui termine, voilà ton victoire de la Rageoise en moins de 37 minutes. Belle course, belle victoire, on aura ses impressions tout à l'heure sur le podium. Et puis pour la deuxième et troisième place, elles se sont livrées une grosse bagarre. Et à ce jeu-là, c'est André Brazwick qui va prendre la deuxième place. La Tourquenoise qui s'est bien battue, qui va prendre une très très belle deuxième place avec peut-être, je viens à record personnel à la clé pour André Brazwick. Troisième place pour Myriam qui en termine Myriam Noël qui va prendre la troisième place. Elle avait emporté en dernier. Elle entrera sur la troisième place du podium. Allez! Voilà, ça arrive toujours. On a le podium féminin de Tourquenoise qui retrouve encore sur le podium de la Julie Sylvain. Et puis, ça va arriver, bien sûr, pendant encore quelques longues dizaines de minutes. Un peloton qui va se densifier sur une arrivée. Achille, on a vécu une très belle course, mais ça n'est pas terminé. Non, effectivement, la matinée n'est pas terminée. D'abord, effectivement, cette course qui va s'achever dans quelques dizaines de minutes maintenant. On a eu des belles batailles pendant toute cette course, mais oui, c'est Charles Briquet qui l'a emporté pour les hommes, et c'est Julie Sylvain qui l'a emporté pour les femmes. Et après cette course, à 11h20, le départ de la balade des familles sera donné, on le rappelle. Le départ de la balade des familles. La balade des familles qui, pour chaque inscription, donne 1€ à l'association Cœur et Santé, une association tourquenoise dont nous aurons l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Et pendant ce temps-là, on a encore des arrivées du 1 km, mais aussi des passages de 5 km. Et on peut tous les encourager bien fort. Et je pense que c'est même le moment pour mettre un petit peu de musique. Si le cas podium, on peut mettre un petit peu de musique en 30 secondes pour encourager tous les coureurs et les coureuses qui ont fait cet effort ce matin. Sur le 10 km après 40 minutes ou pas loin de 40 minutes d'effort, on est à 30. Un chrono qui s'est arrêté. Un chrono, ça va madame, on a 40 minutes d'effort. La balade des familles devrait partir d'ici quelques minutes. On va demander aux participants de contourner la ligne droite d'arrivée et de rejoindre la place Charles Roussel au niveau de la gare routière. Pour pouvoir donner des parts qui va donner dans quelques petites minutes. Donc tous ceux et toutes celles qui participent à la guerre des familles, rendez-vous dans quelques minutes au même endroit que pour les scolaires, place Charles Roussel.
retrouve du son à nouveau, c'est ça. Et peut-être de la voix. On va soulager la voix. Et regarde, Patrice, ah, Frédéric, faut que moi, qui va faire un beau prono en plus. Allez. Constance Aguilas, dans la foulée. Bravo, Constance. Super. C'est ma vie, il y a quelques années. Pas trop long. 41 pouces, moi j'ai mon chrono. Bon, on a un chrono officiel à côté, Joseph Lier, le temps. C'est ça. Voilà, les amis du genre également, Carole Florence, Pierre Dermine. Et beaucoup de maillots, effectivement, du Lille Métropole Athlétisme et section Tourquenoise et Lilloise, bien sûr. Très nombreux au départ de ce 10 km, 49e édition. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, avec Francis Hortel, qui remettra le trophée André Hortel, créateur de l'événement. Alors avec les années, on a pas pu le faire, je ne sais plus quelle année c'était, mais on demande encore sur 74. Merci, Achille, heureusement que tu gueules. C'est la jeunesse qui nous rappelle les... C'est ça. Voilà. Et là, on va encore avoir de quoi. Toujours. Avec une playlist de bon côté par notre ami Patrice. Qui est pas mal ta playlist, Patrice. Allez, on continue d'encourager les arrivants. Les arrivants de ce 10 km, faites un peu de bruit pour les encourager, commencent à arriver de plus en plus maintenant. Et c'est quand même un bel effort qui est proposé un dimanche matin comme ça. En plus, on le disait tout à l'heure, des conditions idéales. On a un ciel bleu avec 2-3 nuages maximum et un grand soleil. Et c'est tout ce qu'on demande pour cette 49e édition des boucles tourquenoises. La balade des familles, vous allez pouvoir partir dans quelques instants.
avec des marcheurs, des coureurs bien sûr aussi. Des trottinettes, Patrice, on l'avait dit, des poussettes sans enfants, c'est pas mal non plus. Peut-être que l'enfant va marcher ou pousser la poussette, c'est bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, et puis les maillots, les maillots des élus de la ville en tout cas. Voilà, ils commencent à être très nombreux. Alors je pense que la bonne solution, c'est de lancer la balade des familles, et puis derrière ça va suivre. Il me semble d'ailleurs que tout à l'heure, monsieur Archiba, qui avait donné le départ du 10 km, on peut le retrouver aussi au départ de la balade des familles, comme quoi c'est vraiment un événement assez convivial et c'est vraiment sympa de participer à ça. Voilà, balade des familles imminente, venez rejoindre la zone de départ, vous contrôlez la ligne d'arrivée du 10 km et vous allez vous mettre en place tranquillement. Pas de pression, pas de performance, juste du plaisir. Classement, vous avez un parcours d'un peu plus de 2 km, 2 km 400 à parcourir, et vous êtes là pour vous amuser avant tout, et en participant, c'est chez les amoureux, et bien c'est l'association Cœur de Santé qui reçoit cette somme de la part des organisateurs, l'association permet aux personnes touchées par des maladies cardiaques de retrouver dans le cadre une activité sportive. Voilà, Patrice. J'ai dit bonsoir, Patrice, parce que là, je suis devant la balade des familles. Ok, alors on va le lâcher. On va faire un compte à rebours. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour la balade des familles. Voilà. On y va. Comment on vit? En marchant, en courant, en rampant, si vous voulez, en marche arrière. En sautant, en marchant sur les mains, vous faites comme vous voulez, c'est la balade des familles. On est là pour participer et les dons seront reversés, on l'a dit, à l'association Cœur et Santé. Donc on aura peut-être un représentant sur le podium tout à l'heure, Patrice, avec le protocole. Oui, certainement, on aura une personne de l'association qui recevra symboliquement qui soit le chef, la balade des familles qui vient de s'élancer à l'instant, plusieurs centaines de participants à nouveau, avec des grands, des petits, des belles images. Le sport, c'est cela aussi, c'est une pratique douce et qui permet d'être en meilleure santé, en meilleure forme. C'est un peu l'idée de cette épreuve qui vient clôturer celui de Carré-Oise après les arrivées des coureurs du Saint-Denis. 10 km qui sont encore sur le parcours. On a toujours perdu le chrono. J'ai perdu un voix, on a perdu le chrono, mais Ludo tient. Mais j'avais pris le chrono, on est à 49 minutes, Patrice. 49 minutes, donc moins de 5 ans pour tous ces athlètes qui sont en train d'arriver. Donc on va monter un peu le son pour les encourager. Est-ce que les spectateurs, vous êtes encore là? Ouais, c'est pas bon ça, ça marche tout seul. Super, allez, on fait du bruit. Moins de 49 minutes, moins de 50 minutes pour ces coureurs. Allez, Ludo, on se tait 30 secondes, on fait et on monte le son là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, oui, on va monter le son. Ça va aller, Patrice, ça va aller. DJ d'un jour, DJ toujours. Ouais, DJ, c'est un métier. Allez, on va là-bas, ça y est, on y est. Ah ben 50 minutes, Patrice. On va y aller tout de suite. On sera plus dans le temps. Voilà, ça y est, c'est passé. Allez, on se prépare pour les 55 peut-être. Non, on va faire une première répétition maintenant et on sera bien tout à l'heure. Allez, ça bouge! Bah, elle est bien cette musique quand même. Allez, super. Je veux juste passer l'intro. Allez, tous ces coureurs, regardez. Ils sont encouragés, ils accélèrent, ils ont vu la ligne d'arrivée. Ils sont heureux, ils ont le droit de lever les mains s'ils ont envie. Oui, c'est super.
spectateurs, ils sont en train de bouger pour se réchauffer. Parce que là, on a un petit vent qui vient nous rafraîchir. On entend les coureurs des papillons blancs qui continuent à arriver. Papillons blancs qu'on a vu en nombre également et qu'on a vu tout à l'heure aux côtés des Joëlettes que l'on a vu passer aux 5 km avec Patrice tout à l'heure. Allez, on est à 51 minutes et 30 secondes pour ces coureurs qui arrivent. Ça va donner l'indication qu'ils sont là-bas pour nous. Oui, Patrice. J'ai confondu certains coureurs. Allez, ça arrive, ça arrive. Avec de la musique, avec quelques grimaces, mais aussi des sourires. C'est tout pour aller. Allez, exactement. Et puis, les grimaces, elles se transforment en sourire normalement au moment d'arriver. Et c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'on est ici mobilisé pour cette 49e édition des groupes de Tempérance. Allez, 52 minutes et 30 secondes. Et il y a toujours des coureurs. Regardez, ils sont encore nombreux. Très nombreux sur la route. Et dans un petit quart d'heure maintenant, on aura la remise des trophées du 5 et du 10 km. Avec les classements par catégorie pour le premier chef d'abord. Donc restez avec nous, évidemment. En plus du classement scratch, des classements qui seront affichés sous le car podium, au niveau des car podiums, pardon. Avec Christophe Cato, évidemment, qui va aller. Alors ceux qui ont froid, c'est facile, vous avez de la musique, vous sautez sur place et vous allez voir, ça va beaucoup mieux. C'est exactement ce que je fais. Ah, les beaux maillots, ah, les maillots collector. Et Corrie, ça fait combien de temps qu'on a ces maillots? 6 ans, hein, mais donc il y a 6 couleurs différentes. Voilà, donc on les a tous eus aujourd'hui, donc c'est super sympa. On a eu le bleu, le rose, le orange, le rouge, le jaune cette année. On a eu un petit violet aussi. Ouais, le blanc, le bleu, le violet. Là, voilà. Alors, tu peux lâcher sur la liste là, tu peux lâcher. Ah là, j'ai mis du lourd, J'y retourne. Non, mais tu peux rester. Tu peux laisser. Et là, on est à 54-20. On va peut-être laisser le son pour le moment. On va arriver à moins de 55 minutes, Patrice. Allez, on fait du bruit. Amis spectateurs, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Les coureurs qui sont là, ont besoin de vous pour faire moins de 55 minutes. Alors, on les encourage. Thank you.
se donne la main. Voilà, elle se donne la main. Comme il veut sur le kilomètre. Exactement.
il nous a sorti un petit réunion, mais c'est normal, on est à numéro 1, numéro 1, les gens en ont besoin. Avec des parents, avec tout le monde, avec eux également.
les participants du 10 km qui terminent avec les bénévoles et avec tout le monde. Et c'est des beaux moments comme ça. C'est pour ça qu'on vient ici une boucle tourquinoise. C'est pour ça qu'on s'est levé ce matin. Et je trouve que c'est franchement encourageant pour la suite. Et notamment pour la 50e édition l'année prochaine, on n'oublie pas.
Et on va demander aux hôtesses du protocole de nous rejoindre ici. Si Achille, tu veux faire les podiums et que tu te mets de l'autre côté sans l'affiche, on va pas y arriver. Allez, celle qui le termine troisième, elle nous vient de l'US Brioche Saint-Vast. Et c'est Madame Deserre Désert Anaël. On peut l'applaudir bien fort. Elle a terminé sa course en 19 minutes et 49 secondes. Voilà, alors les élus qui vont reprendre, voilà, Salim. Voilà, il faut partager les coupes, ouais, voilà. La deuxième, Achille. La deuxième, elle nous vient du RC Arras. Et on la connaît bien, on l'a déjà vue plusieurs fois ici au Boucle Tour Quénoise. En 19 minutes 28, elle a terminé sa course, Camille Leclerc. On peut l'applaudir bien fort. Ancienne athlète licenciée à l'Université Tourcoing. Alors, comme Olivier Cordelier qui remet le trophée. Entre deux podiums, Ludo, on va appeler aussi des partenaires, des représentants des partenaires. Le docteur Hamad peut nous rejoindre, qui représente BioCentre, partenaire premium des boucles quénoises. Il arrive. Et celle qui l'emporte cette année, comme l'an dernier d'ailleurs. Comme l'an dernier, c'est Agathe Delahoutre qui a fait son temps en 18 minutes 21 secondes, qui nous vient d'Aluin Val-de-Lys. Et qui nous a fait une très belle course. Bravo Agathe. Voilà Agathe Delahoutre, spécialiste du 800 mètres, qui a explosé son record cette année pour les spécialistes de 2:03:44. J'ai bien retenu ma leçon, Patrice. Voilà. Troisième la semaine dernière, vainqueur aujourd'hui. Le trophée, excuse-moi. Voilà. Allez, une photo avec les élus. Voilà, on va resserrer. Impeccable. Allez les filles, une photo normale, hey, on lève la coupe. Je le fais à la Patrice parce qu'il n'y a plus de voix, malheureux. Je peux danser éventuellement. Voilà. Allez, c'est bon pour les photos. Superbe. On peut les applaudir encore bien fort et on passe chez les garçons. Merci mesdames. Allez les garçons, il termine troisième en 15:54. Aloïs Bastien. Il est où Aloïs? Il est là, il arrive. On peut l'applaudir bien fort. Voilà Maxime Cavaille, conseiller régional, qui va lui remettre le trophée. Le deuxième, 15:52, il a fait un très beau retour. Il a d'ailleurs couru le 10 km juste après. Il est en pleine préparation pour le marathon de Valence. D'athlétisme à Aluin Val-de-Lys, 15:52, Ahmed Abouzitre. C'est le seul qui n'est pas froid. Et celui qui l'emporte, qui a mené la course de bout en bout en 15:36, il nous vient du Lille Métropole Athlétisme, section Luc, Lucas Rosio. Ah, c'est ça qui nous manquait, Patrice. Voilà, on va être bien pour le 10 km, on va être bien. Voilà, et c'était Jean-Baptiste Glorieux, adjoint Parc et Jardin, qui lui a remis le trophée. Voilà, merci messieurs sur ce 5 km. Allez, on va enchaîner avec le 10 km. Le 10 km, on le rappelle, qui verra ici les trois premiers au scratch hommes et femmes, et puis ensuite le premier de chaque catégorie, récompensé ici sur ce magnifique podium du département du Nord. Allez, on continue donc avec ce 10 km et on commence par les féminines de Achille. Et oui, la troisième femme, et c'est la gagnante de l'année dernière. Elle a fait sa course en 37 minutes et 46 secondes. Elle nous vient de l'US Tourcoing. Myriam Noël, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Enchaînons tout de suite avec la deuxième. La deuxième, elle était deuxième également l'année dernière. C'est Audrey Bransvig qui nous vient de l'US Tourcoing. 37 minutes 33 pour le temps.
course. Ah, c'est la première. C'est quoi la première? Voilà. Et la première, quelle première? Elle est arrivée en 37 minutes 01, 32 secondes d'avance sur Audrey. C'est Julie Sylvain, elle nous vient d'Arras, on peut l'applaudir bien fort. Championne de France, ce marathon est encore facile à entendre dans sa catégorie. Et c'est André Wartel qui va lui remettre le trophée. Oh pardon, Francis Wartel. Tu vois, j'ai lu le... Voilà, ça arrive. C'est la famille. Voilà, allez, une photo avec les élus. Mesdames, là et entre autres, on brandit le trophée avec Corinne. Allez, ouh, super. C'est Patrice qui donne pas de la voix, mais qui donne de la musique. Hein. Allez, petite interview, Patrice, peut-être. Allez, interview. Elles en meurent d'envie. Julie, un petit mot. Voilà, allez. Julie, un petit mot sur la course aujourd'hui. Victoire dans la maîtrise, on va dire, sans trop de difficultés. Ça s'est bien passé pour toi? Oui, ça a été. C'est une petite séance. C'est sympa. Voilà, petite séance après le podium au championnat de France, enfin, le titre au championnat de France. Les filles derrière, il y a eu une grosse bagarre pour la deuxième place. T'étais devant ta camarade de club l'an dernier, cette fois-ci c'est Audrey qui est devant toi. Il n'y a pas eu de bagarre, on était contents de courir ensemble, c'était super. Pour une fois qu'on était ensemble, ouais. Voilà, Audrey, deuxième l'an dernier, deuxième cette année. Quel est ton objectif pour l'an prochain, Audrey? Deuxième. Ah, voilà, c'est ce qu'on appelle la poule d'or des boucles torquédoises. Allez, applaudissements encore pour ce podium féminin. Bravo, bravo les filles. Et on va pouvoir enchaîner avec le podium messieurs, avec celui qui termine troisième. On n'a plus de jingle là maintenant? Non, on n'a plus. C'est sûr. J'étais au micro, je suis ici. À tout de suite. Ah ouais, ouais. Il donne de la musique. C'est un métier, DJ, hein, tu sais. Voilà, allez. Troisième, l'athlète belge qui nous vient de Waregem. En 30 minutes 56 secondes, Jonas Verstel. Super, Patrice. T'es au top. Et c'est Florence Tavernier qui remet le trophée. Deuxième, vous le connaissez évidemment, 30 minutes et 30 secondes, 9 fois vainqueur ici à Tourcoing. C'est lui qui détient le record d'épreuve. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, Jamel Pachiri. Tous, Patrice, t'es trop loin. Voilà, Jamel, qui travaille à la ville de Tourcoing. Jean-Baptiste Glorieux, donc, il y remet le trophée. Vainqueur l'an dernier, vainqueur cette année, il en est à quelques victoires déjà à Tourcoing maintenant. 29 minutes, 57 secondes de la Sancinoise Athlétisme, Hicham Bricky. Le trophée André Wartel, remis par son fils Francis. Hicham, parce que l'Espagnol, ouais, il n'avait pas eu la parole, il n'a pas remporté la course, et il a demandé la parole, et pas pour rien. Voilà, Hicham, c'est toujours un grand bonheur de te voir sur la plus haute marche du podium. Tu as fait le job encore aujourd'hui avec Jamel pendant quelques kilomètres, et puis après, tu es parti. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, je vais essayer d'aider Jamal pour essayer de passer au moins l'étroite, mais voilà, il n'a pas su tenir au bout de 4 km. Mais voilà, c'est normal, on a couru la semaine dernière à Alloin, donc on a encore un peu de fatigue. Mais voilà, je suis vraiment content ici d'avoir gagné pour la deuxième fois d'affilée. Donc ça fait 5 fois que j'ai gagné les 10 km de Tourcoing. Donc c'est une très belle ambiance, il y en a beaucoup qui nous supportent bien et franchement c'est une très belle course. Je suis vraiment content d'avoir gagné. Donc merci à la ville de Tourcoing encore, bravo à vous et bravo à tous les organisateurs et les signaleurs aussi, les bénévoles.
C'est grâce à vous tout ça. Merci beaucoup. Voilà, 5 victoires déjà, parce que je me doutais que c'était 5, pas loin. Hicham, il te reste encore 4 victoires. 4 victoires. Pour égaler Jamel. Bon, seulement l'égaler, hein, mais t'es quand même un peu plus jeune que Jamel, donc t'as encore un peu de temps. Bon, Jamel, encore une belle performance ce matin, même si effectivement, comme disait Hicham, t'as tenté de le suivre, après c'était un peu plus difficile. Oui, bien sûr, j'ai essayé de suivre Hicham, mais à un moment donné, il allait trop vite et j'ai pas réussi à suivre, j'ai mal aux jambes. Mais c'est un très 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 grand plaisir de venir courir ici, à ma ville ici, devant le public, devant tous les gens qui m'ont aidé ici. C'est vraiment un très très grand plaisir pour moi ici, courir ici. Voilà, et puis la ville qui t'emploie depuis un certain nombre d'années, je sais plus combien d'ailleurs, mais quelques années. Oui, ça fait plus de presque 20 ans que je passe ici à la ville de Tourcoing, au service des sports. Et c'est avec un très grand plaisir que, comme je vous dis, de venir courir ici à Tourcoing. Voilà, Jamel Bachiri, mesdames, messieurs, un petit mot, Jonas. On te découvre ici à Tourcoing, c'est la première fois que tu courais. Oui, c'est mon première fois dans la course France, mais je pense que ce n'est pas la dernière. C'est War Game, hein, si tu viens de War Game. Oui, c'est chic côté. Voilà, effectivement, on peut l'applaudir, Jonas Verstel qui termine troisième. Les photos, c'est bon? Eh bien voilà, nous allons pouvoir passer au classement par catégorie. Et nous allons commencer par les féminines avec les cadettes féminines, si j'en ai. Je n'en ai pas. Donc on va faire la première junior. Première junior féminine. Mathilde Montboussin. Est-ce qu'elle est là? Alors là, ça va être plus compliqué. Mathilde Montbuisson. La première espoir. Louise Langlais. Est-ce qu'elle est là, Louise? Oui, on a la première espoir. On peut l'applaudir, la première espoir. Le docteur Hamad qui représente lui au centre lui remet son trophée. La première senior féminine, puisqu'on remet Inès Kaby. Inès Kaby, première senior. Elle est là. Ah, on a la première junior qui peut Elle peut monter. Mathilde Montboussin, bravo. Voilà la première junior, Mathilde Montboussin. Inès Kaby, est-ce qu'elle est là? Non. Alors on va enchaîner. Master 1, Myriam Noël qui va remonter sur le podium. Elle est encore là, Myriam. Elle était là. Allez, c'est parti. Ah, ouais, M1. Elle est M2. Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors j'appelle la M2 puisqu'elle est là, Julie Sylvain. Voilà. Voilà, première M2, Julie Sylvain qui va récupérer. Tu veux que je fasse ça? Ok, alors on va. Alors ok, bon, attends, viens quand même à côté de l'adjoint et c'est toi qui va l'annoncer, vas-y. Bah, je voudrais remettre la coupe à la dernière de la course parce qu'elle a autant de mérite que nous, je trouve. Alors on va la chercher dans le classement, mais on peut l'applaudir pour ce geste effectivement de Julie. On va remettre effectivement celle qui a terminé la dernière de la course. On va essayer de chercher le nom et puis on va. Il y a Régine qui a. Mais elle n'était pas dernière, je crois, Régine. C'est pour ça. Voilà. Donc on peut applaudir effectivement Julie. Carole Florence pour Master 3. Est-ce qu'elle est là, Carole? Elle est là, bien sûr qu'elle est là. Première Master 3. Carole Florange.
Et on a le nom, je t'interromps en deux secondes. C'est Noémie Dosda. Noémie Dosda qui va pouvoir nous rejoindre avec son dossard 850. Alors est-ce qu'elle est encore là? Je ne sais pas. Noémie, si tu nous entends, viens nous rejoindre au podium. Master 4, Edith Bax. Master 4, Edith Bax. Est-ce qu'elle est là? Master 5, Isabelle Marquette. Master 5. Voilà, Isabelle Marquette, on peut l'applaudir. 51-12, pardon. Master 6, Véronique Fromentin. Alors, Master 6, elle est là. Véronique. Alors, je passe au Master 7, Annick Verlic-Béo. Elle est là, Master 7. Voilà. Et on saute une catégorie, il n'y a pas de Master 8, mais il y a une Master 9. Maxime, Régine, évidemment. Régine de Romand. Première Master 9. Ah, c'est bien. Attends, ah oui, alors. Oui. C'est dans quelques jours, hein, puisque là, on est un peu tôt. Là. Ça va être autour du. Bonjour, Régine. Oh, encore un podium. Bon, ton anniversaire, c'est le 20 ou 21, non? Je ne sais jamais. 21. Et c'est pas. Et tu changes pas de dizaine, c'est l'année prochaine. Hein. C'est ça, hein. Ouais, je suis bien informé. Voilà. Elle changera de dizaine. Et elle sera là l'année prochaine, je n'ai pas de doute. Hein. Voilà, Master 9. Et là, il n'y a pas de Master 10. Ah, ça viendra. Photo, mesdames, photo, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer, n'ayez pas peur. Le podium est loin. Voilà, faites une belle photo. Et on va passer... Voilà, mesdames, merci beaucoup. Et on va passer aux messieurs. Alors. Premier cadet. On a un cadet sur le 10 km, c'est Mathis Laouzi de Saint-Aubert. Est-ce qu'il est là? Mathis Laouzi de Saint-Aubert. Il n'est pas là. Premier junior, François Demont. Il est là. Premier junior. Premier junior. Voilà. Vous arrangez entre vous, hein, entre élus, vous débrouillez. Espoir homme, Mathieu Poquet. Ah, il est du rond triathlon, alors il y a tout le fan club qui est là. Allez Mathieu, qui a remis son dossard dans le bon sens pour les courses à pied, à l'arrivée. Et on va passer au Master 1 avec Ahmed Abouzitre qui va revenir. Ahmed, Master 1, vainqueur en 32-55. Voilà. Master 2, on le connaît très bien, c'est Jamel Bachéry. Master 3 maintenant, bravo Jamel, c'est Farid Oukaïd. Il est rentré? Il est parti. Alors on va enchaîner avec le Master 4 de Ronde Triathlon également, Stéphane Sabé. Ouais. Et là, il y a du monde, on va s'écarter, on va pas avoir assez de place. Oh là,
Oh là là, là je vois un nom qui me plaît. Il est où là? Le Master 5, on connaît très bien également. Il vient de l'US Tourcoing, c'est Frédéric Fauquenois. On peut l'applaudir bien fort. Où est-ce qu'il est? Il est où qui est? Ostéopathe. Bah, il ne devait pas s'y attendre. Ah oui, je pense. C'est une surprise. Bon, Master 6. Master 6, Benoît Deberny. Benoît Deberny qui peut nous rejoindre. S'il est là. Et c'est pas fini. Master 7 maintenant. Georges Tulier. Tulier, pardon. Est-ce qu'il est avec nous, Georges Tulier? Non. Allez, Master 8, on enchaîne. Master 8, il nous vient du jogging aventure roncoise, on le connaît bien, c'est Jackie Bouche. S'il est là, il peut nous rejoindre. Il est là, Jackie. Et comme chez les femmes, nous aurons un Master 9. Alors, Ben Deiba, M. Gany. Est-ce qu'il est là, Master 9? Il y a Jackie Bouche avant, donc effectivement, Master 8. Voilà, c'est par là la coupe. Et Ben Deiba, M. Gany, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Bon, ben écoute, Patrice, Achille, je crois qu'on peut applaudir encore ce magnifique podium du 10 km. Avancez, messieurs, pour la photo. Avancez. Voilà. Non, vous n'allez pas tomber, vous inquiétez pas. Il nous reste quoi, Patrice? Il nous reste à vous remercier, à vous saluer. Voilà Steven qui remporte la course handisport. Ah.